Bonjour à toutes et à tous, voici le best-of de la saison 2022 du GAC Blagnac Vélosport 31. Le mois de février marquait le début des épreuves sur route avec l'incontournable Essor Basque. Nos Blue Boys s'y distinguaient avec Clément Jolibert 3e de la 3e étape et 2nd de la 5e étape. Suivez la première manche de la Coupe de France qui se déroulait à Aix avec un Clément Jolibert assez en forme pour s'offrir une magnifique 5e place. Passons au mois de mars. Côté compétition, Andrea Sanchez remportait la belle classique de La Française. Avec lui, sur la 3e marche du podium, on retrouvait Léo Pandery. Mais le mois de mars est aussi pour le GAC Blagnac Vélosport 31 un grand moment avec l'organisation du Grand Prix National de Sainte-Gabelle. Pour sa 16e édition, le club innovait en proposant une épreuve de contre-la-montre, ajoutée à la traditionnelle épreuve en ligne pour toutes les catégories. À noter les victoires de Corentin Hermenot sur le contre-la-montre et d'Axel Narbonne-Zuccarelli sur l'épreuve en ligne. En avril, le club participait une nouvelle fois à la Foire internationale de Toulouse afin de promouvoir la pratique du cyclisme et du BMX. Pendant ce temps, côté compétition, Clément Jolibert s'imposait au Grand Prix des fêtes de Sénac et de Saint-Julien. Léo Pandery, lui, remportait le classement général du Tour de Haute-Bigorre pendant que Jonathan Le Breton s'imposait sur le classement junior. De son côté, Thomas Chassagne était victorieux sur ses terres autour de Barrage de Nep. Il récidivait quelques jours plus tard en élite nationale et levait les bras à nouveau sur le circuit du Boussacain. En mai, toutes les disciplines revenaient à la compétition. En BMX, Laurine Schiavo s'imposait à Pamiers, symbole d'une belle saison pour nos pilotes. En VTT, Maxime Courtinade gagnait la Val-Louron. Nos pistards ramenaient 11 titres de champion d'Occitanie. Et sur la route, on retrouvait à Marmande une manche de la Coupe de France avec le contre-la-montre par équipe du Chrono 47, mais aussi le Tour du Loiret où Clément Jolibert prenait la 7e place du général après avoir fini 3e de la première étape. En juin, Clément Jolibert s'imposait lors des championnats d'Occitanie sur route avant de se rendre avec tous les Blue Boys au championnat de France à Cholet, en compagnie de notre partenaire Titan Préfa. En juillet, lors de la Nocturne de Lourdes, Thomas Bibet passait tout proche de la victoire et montait quand même sur la 2e place du podium après une arrivée au sprint. Alex Haynes s'imposait sur le Grand Prix de la ville de Montpazier.
Du côté des écoles de vélo, nos jeunes champions étaient à Grandchamp pour le Trophée de France et ramenaient une splendide roue d'or. En août, lors des championnats de France de l'avenir de contre-la-montre, Mélia Massé prenait la 7e place des juniors 1. Du côté des Blue Boys, après plusieurs places d'honneur, Adrien Vidal levait les bras lors de la semaine cantalienne. Et sur le Tour des Landes, Thomas Bibé prenait la 4e place du prologue et Lilian Langella se classait 4e de la 2e étape. En septembre, nos Blue Boys voyaient Thomas Chassagne lever les bras en solitaire lors des très convoités Grand Prix de la Tomate. Il s'agissait pour Thomas de sa 3e victoire de la saison. De son côté, Lilian Langella s'imposait lors du Grand Prix de Vic-Fezensac. Avec lui, Adrien Vidal finissait 3e. Sur la piste, lors de la Coupe de France à Fenioux, Jonathan Le Breton et Yann Velna remportaient l'américaine. Et pour finir ce beau mois de septembre, nos jeunes de l'école de vélo réalisaient une moisson de médailles à Villemur-sur-Tarn avec notamment les victoires de Maël Brezin, Mathias Saya et Clémence Courtinade. En octobre, nos Blue Boys retrouvaient la dernière course de la saison, Paris-Tours Espoir. Max Varmerdam se distinguait particulièrement en passant presque 130 km au sein de l'échappée. Au final de cette belle saison 2022, merci à tous les éducateurs qui ont contribué au développement de la JSCB TV. C'est grâce à eux que vous avez pu chaque semaine avoir des images des aventures de nos jeunes coureurs, route, piste, VTT et BMX. Et surtout, un grand merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine. Rendez-vous en 2023 pour vivre de nouvelles aventures de nos Blue Girls et Blue Boys. Bye bye !